secondes. Donc je t'en prie, Riccio, ce match. Donc on va avoir Reynald contre Verna. Tout simplement, c'est Reynald qui a balancé Verna. Non, c'est Verna, je crois, qui a balancé Reynald en loser. Donc on va voir si va pouvoir se venger, Reynald. Reynald contre... Ouais, complètement le Polnareff de Reynald. Ouais. Il est là. Il est complètement là. Allez, avec Verna, avec Diolon donc, et sa patte folle. Federica, bien joué. Pour le moment, il match à son pressing. Les RK qui sont bien décalés pour Reynald. L'ouverture sur Bamé ne se fera pas. Allez, gros point téléport, bien joué avec les RK, ça c'est bien vu ça. Le dragon qui est piffé, mais la punition n'est pas au rendez-vous, il a juste mis un fardé. C'est dommage pour Verna qui aurait pu avoir une meilleure punition sur ce coup-là. Le saut avant B, B, excusez-moi. Et les RK, le décalage, les RK pour Verna. Le gros point téléport, la boule de Verna avec la patte folle qui gratte hein, bien sûr en garde. Et le duolone de Verna qui s'impose. Je sais. Non. Et le Benimaru donc de. Je suis tellement guaqué. De Reynald qui se lance. Je suis tellement guaqué. Allez, la chope pour le Benimaru, voilà. Guaqué. Avec le combo Rajinken. Ando Satangiri. Bien joué. Bon, ça ne tue pas, malheureusement. La chope. Le dragon sur la relevée de Benimaru, le gros, ce gros pied c'est dans la garde, Yagiri se fait avoir avec un saut je sais pas quoi, wow, la télé, ça c'est très bien joué. Au zéro de Vital. Mais Reynald, mais Réjaïa, la chope à nouveau, ça reset, la boule, la déchope, très très bien vue de la part de Reynald. Ouais, c'était de justesse hein, quand même, hein. C'est tellement fait mal là sur la fin. Il s'est rattrapé vers la fin Verna, c'est abusé. Allez, Mister Karaté contre Benimaru. Allez, Yenshi Pukiak. Allez, la chope pour Mister Karaté. Yenshi Pukiak à nouveau. Je sais pas pourquoi il le fait alors que c'est pas safe comme vous pouvez le voir. Oula. Mais non, combo raté. Mais il a fait le gros Jinken au lieu du petit. Ça veut rien dire. Non, faire le gros justement. Faut pas faire le petit. Mais là, il s'est raté. Super décalé. Il a dû faire le petit au lieu du grand en fait. Super décalé. En tout cas, il était super en retard sur le combo. Allez, saucédé sur place pour le Kim de Arkechuk Reynald qui fait gros pied avec la Fury derrière. Très très bon les dommages. Allez, feinte et l'ouverture sur Babé. Avec le combo classique hein, de Kim, vous le connaissez. Le Fardé qui se fait stopper au bas A. Le Koken à des chopes. Pour le moment, il voit tout hein, Reynald au niveau des chopes, c'est bien vu. Et le Fardé. Tellement garanti ce sale coup là. Et ouais. Avec leur karaté Kim, là, ils sont tellement infinis, les mecs. Allez, et Yori Griff. Yori Griff, ouais, pour Verna. Yori, comme vous avez pu le voir, un très 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 bon perso. Bouge bien. Les combos très faciles. Font beaucoup de dégâts. Babé, babé, l'ouverture pour le combo HD de Reynald. Il a deux, ça tue. Il me semble que ça tue à ça deux. Ça peut tuer. Ouais, il me semble que ça tue. Et il a 250 et 250. Il met 0 vital. Ça va pas tuer. 0 vital. La Chopex qui a été lu par Reynald. Et oui, il montre qu'il a un cerveau. Alors pour Reynald, c'est garanti. Attention, il y en a un qui va nous faire une rupture d'anévrisme ici. C'est ça la hype. Vous vous demandez qu'est-ce que c'était la hype. Bah, c'est ça. Voilà. Il a un peu craqué, hein, Verna. Ouais. Est-ce que Reynald va lui imposer le même schéma? Oh bah il peut lui imposer des schémas, ça c'est sûr. Hein. Eh oui. On rappelle juste à Freikov, ce sera Super Smash Bros. Melee auquel nous assisterons avec pas de retard il me semble pour le moment pour l'Evo. Pour le moment on est bien au niveau des temps. Hein. Et nous sommes 60 000 personnes hein, sur le stream US pour suivre. Ouais. Ouais, pour suivre quoi? C'est pas mal. Hein, 60 000 personnes, c'est beaucoup quand même. Allez, saut bas gros point. Le son avant B. Allez, balayette. En 2-in-1 avec un bodyguard, mais c'est dans la garde. Bien joué ça, le saut sur place bas gros point.
de Kyo, hein, qui impose un hitstun beaucoup plus long qu'un coup normal. Et donc, lui a permis d'avoir ce combo. Et donc, avantage au XQ pour le moment de Reynald, même s'il mange ce combo-là. Avantage Reynald, la déchop, ça c'est bien vu. Hein. Allez, chop pour XQ. Tentative de cross-up, pas cross-up. Oula. Bodyga. Et il utilise le drive, et là, pour une fois, bien joué. Même si ce combo est bidon, faut tuer. Il aura eu raison. Voilà, c'est ça, il faut complètement voilà. Tuer. Il n'y a pas de mind game hein, dans ce Dankov, c'est vraiment le jeu où tu laisses personne en vie. Ouais. Et donc le Mister Karaté, tout à l'heure qu'il n'a rien foutu, il était dégueulasse le Mister Karaté, jamais vu ça. C'est vrai. Fox a un Mister Karaté trois fois mieux. 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 Allez, il y a des chops pour Reynald, la balayette, le saudé, décalage babé, dragon, gros point. Wow, ouf. Le backdash, la max. Et c'est parfait, hein, c'est parfait. Ouais. Il est en train de revenir. Ah, mais oh magnifique bodyguard encore une fois. Babé à la Babé, mais pourquoi tu fais pas les bodyguards? Le mec, il a complètement pris. Il était tellement étonné que ça prenne. Reynald, qui n'a pas continué finalement. Oh, non, ça, non. Il y a le deuxième ça, coup. Ça, c'était pour une ouverture de Max Mod. Mais... Ouais. Deuxième coup de diagonale des Kiwi fait du coup. Bon, il a bien fait au moins de pas claquer Max Mod. Pour pas claquer des vieilles ressources dans le vent pour rien. Ouais. C'est assez dommage pour Reynald. Allez, le cross-up qui est trouvé, combo HD, ouais, immédiatement donné. Mais par contre, ça ne va pas tuer parce qu'il a fait la mauvaise version du combo HD. Ah oh là là, 4 là barres. Là 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 là. Et oui. Il faut. Et boum. Et boum. Bah, 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 bah. Il peut faire level 2 s'il et le et souhaite. Boum. Voilà, il la met. Mais ça ne tuera pas. Hein. Allez, le saut CD. Le saut D. Et non, la néo-max qui tue. La néo-max au pif qui tue. Alors là, soit c'est une vision de la frame, de la soit frame, je ne sais pas, c'est les lunettes ça, c'est les lunettes. C'est forcément les lunettes. Ah, les lunettes, ça rigole pas avec Reynald. Hein. Ah, il les a pas pour rien. Allez, Ando Zanagiri en décalé, et ça touche le Kim de Verna, qui est sa dernière chance hein, de continuer dans le tournoi, même si c'est en loser bracket. Allez, Ando Zanagiri, bien joué. Pour le moment, Reynald qui se doit de monter ses barres pour son Kim, mais malheureusement, Benimaru qui va mourir sur cette phase. Ça joue au dernier perso. Ouais. Mais on est bien. Ouais. Allez. Hein ? Ah d'accord, ok. Allez, stand B, voilà, deux fois avant A. Bien joué ça, la feinte pour éviter justement le fait de ne pas pouvoir save jump Kim. Attention Reynald, il est en train de se faire remonter la Reynald, il a bien gardé l'overhead heureusement. J'avoue. Heureusement encore une fois parce que il a son max mode, je le rappelle Verna. Allez, il peut le tuer. Voilà, le max mode, il est dans le vent. Et en plus, il a la garde sur le saut. Ah, c'est le moment d'attaquer. Overhead, max mode, non. Overhead, il voulait l'arnaquer deux fois. Très bonne roulette, ça tune. Non, mais pas possible, il n'y a pas de cancel. C'est pas possible. C'est complètement fou ce qui est en train de se passer ici. Ils sont quasiment zéro de vital. Avec Reynald qui prend le saut CD. Chop. La garde qui est bonne là-dessus. Allez, il faut plus faire quelque chose. L'overhead. Un partout. On veut rien dire. Reynald qui aurait pu gagner au moins deux fois déjà. Hein. Et ben un partout, les matchs sont chauds. Ont été joués au troisième set. Tous pour le moment. Quand même assez fou. Les revirements de situation improbables. Avec probablement Reynald qui se demande s'il ne doit pas changer de perso peut-être. Et il prend Chin. Ouais, il y a le trailer de l'SGDQ, d'accord. Parfait. Le Summer Game Don's Quick. Ah, ok. Un des meilleurs Chin dans le monde, me dit-on. Non. Pas c'est, du tout. C'est celui de Fox. C'est celui de Fox, le meilleur Chin du monde. C'est bien connu. Tout le monde le sait. Bien sûr que tout le monde le sait. Évidemment. Évidemment.
Le mec, allez, il a ses lunettes et il attend avant de choisir ses persos. Hein. Exactement. Il prend son temps. Cool. Cool, Raoul. Il s'agit pas de se précipiter. Ouais. Allez, Verna contre Reynald, c'est le match décisif à présent. Ouais, Soba gros point à nouveau qui touche, mais derrière, pas de combo. Il a tout le temps de mettre combo derrière ce Soba gros point avec un hitstun complètement craqué. Allez, bien joué la réception Babé avec Diolon qui va visiter le coin gauche du stage tranquillement. Les Rika, ça c'est bien vu. Allez, l'overhead pour réveiller un peu le Diolon de Verna qui backdash. Oh, il retombe sur la boule malheureusement. Je pensais qu'il avait bien vu, mais c'est pas le cas. Le CD qui va se rattraper, le combo pour... l'IX Kototsky qui est passé. Voilà la Patfall X dont on parlait. Le drive cancel qui est mal exécuté. Le bodyguard bien décalé, voilà, pour avoir les 3 hits. Ils sont bien ex-aequo hein, quand même. Ouais. Ouh là, attention, cette téléport n'était pas tellement. Il y a un bas gros point qui manque là-dedans. Là. Et il y a le Sobassé qui touche pas. Ah, le bas gros point à nouveau. Stand A. C'était bien vu ça. Il utilise un drive pour rien ici. EX. Chiné qui ne fera rien du tout. Il n'y a que le premier hit qui aura touché. Ce pied. Ouais. Car il était trop loin. Pour avoir la suite. Et donc le Diolon qui en avance. Benimaru qui... Benimaru qui aurait dû faire combo. Il a fait saut des chops. Chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Mais le saut des qui... Voilà, on remet le compteur à égalité. Et donc perfect caché hein, pour le Benimaru. Évidemment tous les États-Unis qui sont derrière Reynald. Parce que à part lui, c'est gavé de chino-coréens. Ouais. Sinon, les japono-coréens. Japonais. Coréen après. Singapourien. Bien joué, le cross-up qui lui donne le combo HD et l'utilise maintenant. Non, il l'a pas fait en pourquoi fait. Pourquoi le Raging Ken parce qu'il aurait dû faire le Raging Ken. En Tiger Knee non, ah, en X. Tout simplement. Ouais. Et il a fait Todo Meja. Mal et donc il en profite. Il a pas le temps. Kaku, Verna. Il a complètement pas le temps. Ouais. Allez, le dragon. Le saudé. Mais Reynal qui est pas si mal parti. Ça c'est bien vu ça. Parce que le dragon, voilà qui va être puni. Gros point. Benimaru Collider en version X et le combo derrière Benimaru Lancer Andoza Dangiri. Bien et joué. Il se débarrasse du Mister Karate. Bien joué. Pikachu, tu peux en être fier. Très bonne double touche. Pikachu. Pika Pika. Ça sera juste après Pika Pika. Le coup d'arnaque, c'est passé. La chope pour Benimaru. Tentative de cross, de fake cross-up, ça c'est bien vu ça. Mais il est attentif, hein, Verna, il mange quand même EX Dragon. C'est bon pour Reynald, c'est très très bon pour Reynald. Il semble avoir une bonne défense, il est mis dans le coin pour dire je vais paralyser un peu le jeu devant derrière de Kim. Il n'y a pas de corner cross-up dans Koff. Mais par contre, le problème c'est qu'ensuite il faut pas qu'il décale une chop. Ça c'est bien vu ça. EX, ah là Kitsusan, la chop derrière, voilà. Juste il sort du coin. Il sort du coin. Et il max mode. Bye bye. Et Verna qui va retourner tranquillement à Séoul. Eh oui, bye bye. Bye bye la Corée. Reynald en finale loser de cet Evo top 3. Eh oui. C'est fait. Le top 3 c'est pour lui. Voilà, on évitera exactement. 3 2 KFAID en finale. Ouais, c'est clair. Alors, pas top 3, top 4, hein, puisqu'il y a le Tokidoshien qui va se jouer là, évidemment. Ouais. Match assez important. Hein ? Ah ouais, ils sont contents. Ouais. Là. Je te laisse. J'avoue. Je te laisse quelques secondes, Rico. Okay. Truc à faire. Je reviens tout de suite. Et je vous laisse évidemment avec le Tokido contre Chien. Et rien que pour lui exposer sa mère à Chien. Je veux que Tokido gagne. Voilà. Voilà. Et c'est même pas suceur de Jap activé.